1972, l'astronome américain Joseph Allen Hynek propose une méthode de classification des observations d'OVNI. Un système de graduation qui va du cas le plus banal, une lumière nocturne, NL, au cas le plus exceptionnel, une rencontre du sixième type, RR6. Des cas de mutilation de bétail, sans explication rationnelle, ont été imputés à une RR6. Environ 2000 cas par an sont recensés à travers le monde. En 1973, des spécialistes d'une douzaine de pays créent un organisme d'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce service d'expertise top secret est baptisé le Collège Invisible. France, département 07, 1er janvier 2012, 12h43. Janvier 2012, 9h17. En rencontre du premier type ou simple phénomène naturel, en tout cas des centaines et des centaines de témoignages pour détecter hier le même phénomène, un drôle de triangle lumineux qui a traversé un peu à sa lumière. Bonjour, Jacob Owels de l'ONF. Commandant Valesco. Je présente Caroline Thompson. Bonjour. Alessandro Volta. Bonjour. Ce sont nos astrobiologistes. Et c'est quoi l'astrobiologie? Demandez aux spécialistes. Bon, en fait, je vais faire simple. C'est l'étude des facteurs géochimiques et biochimiques de la vie et de son évolution. Ça comprend également la recherche de la vie en dehors de notre système solaire. Ah, parce que vous pensez que c'est d'origine extraterrestre? On en est au stade radar optique sur l'échelle de Hynek. En fait, c'est le stade R5. L'objet est à vue à la fois en visuel et sur plusieurs écrans radar. Super! Et vous êtes que tous les trois? Nous, on examine le site, on voit ce qu'il en est. Non, parce que moi, quand j'ai vu le truc, franchement, je m'attendais à voir débarquer l'armée. Si ça dépend de la défense nationale, on les appelle, ne vous inquiétez pas. Et le truc, il est à quelle distance? À environ 2 heures de marche. Vous avez fermé tous les accès au site? Les 4 accès principaux sont fermés. Par contre, le parc n'a pas de clôture. Allons-y. Et je pense sérieusement que vous devriez appeler l'armée.
se passe autour du cul des mondes. Si c'était pas le cas, faudrait vraiment s'inquiéter. Ouais, c'est encore loin. Croyez-moi, lorsqu'on y sera, vous le saurez. Derrière. Okay. Je vais voir. Alors, c'est pas mieux que la zone 51, ça? Comme ça, nous prends du quoi? C'est un vortex d'énergie. Peut-être des noyaux atomiques instables. Ça se désintègre et ça dégage de l'énergie sous forme de rayonnement. Volta, t'en es où? Données non compatibles. Entrée, identification. Code XP23F. Il n'y a pas de rayon gamma. 43A. Ce sont des particules alpha et bêta. Ok, allez, on y va. Et maintenant qu'on est fixé sur la composition, on pourrait appeler l'armée. Ce que t'as dans le ventre. T'en es 40%. Stop. 70. Sonne. On l'a. Monsieur Powells, vous vouliez l'armée? Maintenant on les appelle. Alessandro! Alessandro, on y va là. J'ai vu ça. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un trou terrestre.
Ta dernière en date est apparue en 99 au Pérou. Il y en a plusieurs sur Terre. Celui-là fait plus de 100 mètres de fond. Et qu'est-ce qu'il y a au fond? J'en sais rien. Et votre ami, il est passé où? J'en sais rien non plus. Et en tout cas, là, on a largement dépassé le stade contact de sur votre échelle de Richter. Inek, c'est Inek. Je m'en fous! Maintenant, il faut sonner l'alarme générale! Thompson, ton portable. Mon portable est ta chaise. Le mien aussi. Et j'ai un portable. Putain, il marche pas. Je pense que c'est à cause du champ magnétique. Bon, il faut retourner au véhicule. On est en train de partir à cacahuète, votre histoire là. Votre ami, il vole le putain. C'est pas notre ami. Ça c'est pas votre ami ça, mais vous êtes aveugle ou quoi? Elle a raison, Volta s'est pas volé. Et ça c'est qui ça? La vraie question c'est pas c'est qui, c'est quoi? Oh, vous avez suivi des cours par correspondance? Vous avez pas un flingue pour moi? Après c'est derrière. Thompson, c'est plus Volta. S'il bouge, tu l'allumes, c'est clair? C'est très clair. Oh, c'est pas bon ça. Allez, vas-y, amène-toi. J'ai rien demandé! J'ai besoin de vous pour sortir d'ici! Allez, j'espère que vous courez vite! Hein. On arrête de courir, ça sert à rien! Allez, on perd du temps, ma belle! Vous avez vu comment il a évité les balles tout à l'heure? Ça va à 500 mètres par seconde, ces trucs-là! Vous croyez aller où comme ça? Alors pourquoi il est pas déjà là? Il doit y avoir une période d'incubation! Une période d'incubation? Bordel de merde! Bon, on se calme, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Mais vous en savez rien, vous en savez pas plus sur les extraterrestres que moi, l'informatique! Si, on sait qu'ils font des trous dans le sol. Ils en ont fait partout dans le monde. On sait aussi qu'ils peuvent copier nos identités. Ouais, mais on arrive à voir que c'est en contrefaçon quand même. Parce que vous connaissez l'original. Si vous aviez pas de point de comparaison, ça pourrait être n'importe qui. Oh putain, oh nom de Dieu, ça veut dire qu'ils sont peut-être déjà parmi nous. On sait aussi qu'ils courent super vite, plus de 100 mètres par seconde.
Putain, c'est ça fait plus d'un million, on suit 100 000 km/h. C'est la vitesse de la lumière? Non, la vitesse de la lumière, c'est 312 000 km/s. Ok, je suis peut-être pas super bon en maths, hein, mais en attendant, on peut commencer à avancer pendant que vous réfléchissez, d'accord? Wells, arrêtez-vous! Oh, vous allez pas recommencer, hein! Chut! J'arrive! C'est quoi ça? Une lumière qui passe. Quoi? Non, je m'attendais à quelque chose de plus scientifique de venant de votre part. En fait, vous y comprenez rien, quoi. On y va. Pour moi, super, ça fait du 6 mètres secondes, 70 par seconde exactement. Attendez qu'il soit sur nous pour tirer. Je vous l'avais dit, on aurait dû appeler l'armée de suite. Sa gueule! Voilà ce qu'il a obtenu, lui! En tout cas, ils étaient pas là pour faire du tourisme. Mais vous savez quoi? Vous allez faire votre rapport, vous allez leur expliquer qu'on est à l'en haut de l'échelle machin truc là, et qu'il manque une graduation, genre contact violent. Et moi, je rentre chez moi, et je vais demander ma mutation pour aller dans une autre forêt! Mal. Vous avez rien mangé à midi? C'était hier soir. Putain! Qu'est-ce que vous faites? La digestion, ça dure entre 5 et 7 heures. C'est pas ce que vous avez mangé hier soir. Vous faites chier avec vos théories à la cauchemar, j'ai droit de remettre. Vous entendez quoi? Oh putain! Oh putain, je les entends! Vous comprenez ce qu'ils disent?
Powells. Powells, écoutez-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Powells, qu'est-ce que vous entendez? Ils n'ouvrent pas de... aucun mal. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont venus pour... Pourquoi? Pour créer une race... supérieure. Mars 2012, 9h15, 3 mois plus tard. Dans l'eau de 190 habitants, 22 km au sud de Limoux, est au centre d'une incroyable légende. Bugarrache devrait survivre à l'apocalypse mondiale programmée pour décembre 2000. Bonjour. Bonjour.
Tu ne sais plus qui je suis, n'est-ce pas? Je me rappelle de rien. Je sais même pas qui je suis. Tu t'appelles Carol Ann Thompson et je suis ton mari. Je me rappelle pas. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener à la maison, ça t'aidera à t'en souvenir, j'en suis sûre. Les médecins m'ont dit que j'étais enceinte d'un mois. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu te reposes. Je vais m'occuper de toi et du bébé, ne t'inquiète pas. Décembre 2012, 0h32 en France. 21 décembre 2012, 17h32 en Amérique centrale. NTA app and attach it to ESP3.